Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est assez attendue, voilà, qui me fait vraiment plaisir aussi de tourner. Franchement, c'est vraiment un kiff de la tourner. C'est celle du test du tracteur tondeuse. Donc, le test de la fameuse bête, voilà. On va faire ce test. Voilà, regardez-moi. Tout propre, donc j'essaie de pas trop le dégueulasser, mais on va voir quelle est sa vitesse de pointe à peu près. On va essayer parce que donc j'ai une application sur le téléphone et puis voilà, on va se faire un petit peu de plaisir dans les chemins, hein. J'espère que vous m'entendrez bien. C'est la première fois que je filme comme ça, on va dire aussi en vlog, parce que je vais parler pendant que je roule. Et donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc on se retrouve tout de suite sur le tracteur pour aller rouler, tout simplement. Donc les amis, je sais pas trop si vous m'entendez, il fait vraiment beaucoup en ce tracteur là. Donc on est parti pour la petite balade. Et puis pour le test de vitesse, là ça devrait aller quand même dans un chemin assez plat. J'ai mis l'application dans le sac, donc là elle est en train de voir que je roule et on verra la vitesse max que j'ai pu atteindre avec le tracteur. J'espère aux alentours des 35-40, on verra bien. Et j'ai pas encore testé la courroie car j'ai rechangé une contre-poulie et du coup elle est un peu plus tendue, mais en venant dans une montée j'ai vu que quand la courroie est chaude, et ben elle patine encore un petit peu, donc il faudra quand même que je la change, je pense. Mais ça va quand même pour ce que je fais. Et même dans l'air mouillé, ça patinait pas trop quand je tirais pas trop dedans, quoi. On va faire demi-tour là. Vraiment, ça secoue énormément, c'est un truc de ouf, hein. Je sais vraiment pas si vous m'entendez, en vrai. Enfin, si vous m'entendez bien, on va dire. J'espère. S'il fait vraiment beaucoup de bruit. Donc là, on y va doucement. Ça va pas être une vidéo très longue, je pense. Voilà, j'ai pas envie de tourner je sais pas combien de temps, parce que j'ai pas envie de me faire remarquer non plus. Il fait vraiment beaucoup de bruit. Allez, on va accélérer. Ça se coupe vraiment. Si vraiment ça se coupe trop à la caméra, c'est, je suis vraiment désolé. Allez, c'est parti. J'ai pas pu aller à fond parce que donc j'ai accéléré à fond, hein, mais enfin ou presque, mais en fait la courroie à un moment elle patine, donc ça sert à rien que j'accélère à fond parce qu'il avance pas plus vite, donc autant ça sert à rien vraiment de mettre le moteur à ses limites. Donc là je vais pas aller très vite parce que ça secoue vraiment beaucoup, j'essaye de pas trop secouer la tête et j'ai pas envie de trop l'abîmer non plus. Voilà. Mais j'aime bien des fois quand même faire des belles petites sorties comme ça, tout seul, tranquille. Donc je vais pas vous mentir, là j'ai mis un casque, voilà. Mais le casque cross, à chaque fois je le mets pas, voilà, quand je fais une balade. Là c'est vraiment juste pour pouvoir filmer, parce que filmer à la main c'est vraiment nul. Et c'est surtout que, là je sais pas combien on monte, mais j'ai dit en gros 40 parce que j'étais déjà pas loin des 40 une fois. Ça se coupe vraiment, donc et puis c'est très difficile à contrôler un tracteur comme ça à une main. Là j'ai pas envie de descendre dans l'herbe. Il a ralenti un peu haut quand il est chaud. Là, les vitesses, il tracte quand même, hein. Hop, là je me mets directement en 5. Ça tracte quand même. Il y a encore des trucs à... Oh la vache, ça se coupe, putain.
Il y a encore des modifs à faire, je disais, sur le tracteur. Que là on peut pas les voir, mais enfin on peut les voir, mais c'est au niveau des fusées de direction. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc voilà. J'essaie de m'éloigner quand même un maximum des villages. Parce que j'ai vraiment pas envie de me faire remarquer. Hein, parce qu'une fois qu'on est remarqué, c'est chiant quoi. Donc voilà, j'essaie de m'éloigner. Et je suis sûr que même dans les villages les plus proches, on doit m'entendre quand je tire dedans. Voilà. Fait plaisir. Bon, ça va pas tarder à être la fin de cette vidéo, je suis désolé si elle est vraiment pas longue, mais j'ai vraiment pas envie de me faire remarquer tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit test du tracteur tondeuse. On va juste regarder la vitesse. Là je vais aller m'arrêter et je vais aller regarder la vitesse que j'ai fait à peu près avec le téléphone. Hop, on va s'arrêter là. J'étais à 32 au maximum, à 32 km/h. Je sais pas si vous voyez, mais en gros ici, on était à 32 là. Je sais pas si vous verrez. Au pire, je vous mettrai le screen, mais j'étais en gros à 32. Je suis déçu, je pensais aller un peu plus vite, mais en même temps, je m'en doutais. J'ai vu que je roulais pas si vite que ça, parce que la courroie elle patine quand j'accélère vraiment trop fort. Donc c'est tout, il faudrait que je refasse des modifs et que à la limite je change la courroie. Mais bon, ça va déjà un peu mieux qu'avant, mais j'ai déjà été plus vite avec ce tracteur là, ça c'est clair. Donc les amis, là on se retrouve quelques jours plus tard, voilà, après la petite balade. Du coup, voilà, petit outro de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu courte, il n'y a pas grand chose en grosse balade, mais je voulais vraiment pas déranger. Donc on fera une plus grosse vidéo de tracteur tondeuse la prochaine fois, vous inquiétez pas. Il est juste là, voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors oui, on a dans les hautes herbes et il passe partout. Voilà, voilà. Il passe vraiment partout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, voilà, à la chaîne, ça soutient. Vous aurez toutes les nouvelles vidéos. Activez la cloche. Enfin bref, ça on vous le répète tout le temps. Et allez voir mon Instagram Jeannot. Pour l'instant, je fais pas encore trop de stories parce que vous n'êtes pas assez nombreux pour que je fasse des stories tous les jours. Mais si vous venez, je ferai des stories. Donc venez. Venez sur Instagram Jeannot. Et du coup, venez sur Instagram Jeannot. Et puis, nous, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Je sais pas trop ce que ce sera. J'ai peut-être une petite idée, mais je vous en dis pas plus. Venez sur Instagram Jeannot, vous serez peut-être à l'avance. Moi, c'est tout. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao !